Bien le bonjour, nous sommes avec Vianney, de bassiste de Defiancy. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai vu donc que vous existiez depuis 2008. Oui, tout à fait, exactement. Voilà. Et donc, bon, déjà j'ai apprécié le dernier album. Déjà j'avais bien apprécié le premier album, mais le dernier album, je suis vraiment resté sur le cul. Au grand plaisir. Comment s'est passée la conception de celui-ci ? Un petit peu, après, on a pour principe de faire des concept albums, si tu veux, donc le premier comme le deuxième et tout, etc. On a quand même, on va dire, un certain lien entre eux et puis une certaine trame qui les respecte. Et donc, à partir du second, le Prodigal Child, qui racontait une certaine, on va dire, intrigue qui, on va dire, exposait l'auditeur à un certain questionnement, on a décidé de faire une suite logique, justement, dans ce concept et qui poursuit un petit peu, en fait, l'idéologie de notre précédent album. Donc au niveau du concept, c'est vrai qu'on est parti, sur ces points. Mmh. Après, je sais pas, enfin, au niveau peut-être de la composition et ça... Oui, mais justement, tu parles de concept album qui suit le premier album. Est-ce que la personne qui vient vous découvrir sur le deuxième album va pas être un peu perdue si c'est une personne, comme il y en a qui font, suit vraiment les paroles, le concept, en se disant « Merde, je tombe comme un cheveu dans la soupe ». Non, je pense pas, dans le sens où je pense qu'on peut quand même dissocier, on va dire, les deux albums individuellement sans avoir justement enfin, le sentiment de manquer de quelque chose. Ou quoi. Comme je dis, ça a beau être une suite logique, mais c'est quand même des intrigues qui sont, on va dire, strictement différentes. Donc je pense que non, l'auditeur, à mon avis, ne rencontre pas ce souci-là. D'accord. À mon avis. Comment justement se passe la conception, l'écriture d'un album chez vous? Est-ce que. Du côté de Forbach, je connais parce qu'on avait une amie qui habitait là-bas. Justement, du côté de Forbach, est-ce que vous travaillez chacun de votre côté, puis chacun amène sa pierre à l'édifice en disant bah, écoute, ça, moi j'ai ça à proposer, ou tout simplement vous êtes dans un local de répète, une jam, le chanteur va mettre un mille chèques dessus, puis après il va seulement composer en vous demandant votre avis? Non, j'allais dire, c'est un petit peu un mix de ces deux solutions avec une troisième qui se rajoute, c'est-à-dire que la plupart du temps, et pour on va dire vraiment l'essentiel des morceaux, c'est Laurent qui apporte, on va dire, vraiment la structure de base, etc. C'est lui qui apporte, on va dire, les idées majeures, etc. Après, il y a des choses qui plaisent, qui plaisent pas, et c'est justement dans ces moments, on répète, quand voilà, on est tous les quatre ensemble, etc., qu'on étaye vraiment les morceaux, on se dit bah, ça va pas, ça, il faut en rajouter, il faut en enlever, et du coup, on arrive à, on va dire, construire voilà, une structure. Qui nous paraît, pour nous, du moins logique, etc. Mais c'est vraiment sur ces bases qu'on propose les morceaux. Et la plupart du temps, on va dire, à part pour quelques morceaux un petit peu spécifiques, comme dit, c'est vraiment long qui apporte, on va dire, le squelette de la chose qu'on retravaille après tous ensemble lors des répétitions, etc. Et justement, côté écriture, est-ce que Auchan il a libre choix ou tout simplement il arrive, il expose, non ça va pas, mais ou encore une fois, je dirais que c'est un mix des deux solutions, dans le sens où il arrive et il propose, et si jamais ça ne plaît pas, on manque pas de faire remarquer. Mais après, c'est vrai que, comme dit, bon, ça reste lui le chanteur et le seul vocaliste aussi du groupe, quoi. Donc c'est vrai qu'on lui laisse relativement carte blanche sur la majeure partie des choses. Mais c'est vrai que bon, s'il y a des choses qui nous plaisent pas ou qu'on pense qu'ils sont améliorables ou modifiables, on manque pas de faire remarquer. Et c'est un petit peu du coup cette condensation de choses et d'idées qui fait qu'on arrive à ce résultat final. J'ai remarqué, j'ai lu que, et vous avez des bonnes références en influence, Machine Head, Mes Chouchous, Megadeth, qui est beaucoup mieux que Metallica entre nous, ça ne regarde que moi. C'est pas trop dur justement de composer à la Defiancy sans vouloir ressembler à du Machine Head, à du Megadeth? Non, je pense pas forcément, parce que, comme dit, en fin de compte, c'est vrai qu'on a, comme tu le soulignes, on a énormément d'influence en fin de compte, et on essaye de concentrer tout ça en une espèce de pot pourri, de melting pot, qui fait actuellement ce qu'est Defiancy. Mais volontairement, entre guillemets, c'est pas fait volontairement, et même involontairement, enfin, on n'a jamais eu spécialement de recul sur un morceau en se disant « Merde, ça fait trop ci, ça fait trop ça, etc. » Je pense qu'on reste quand même dans... Et si ça même ça le ferait, est-ce que vous le garderiez par exemple? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas qu'on vous dise « Ouais, mais sur 12 chansons, il y en a une qui ressemble trop, par exemple, à Hunger 18, par exemple. »
Après, tout le monde a des influences, donc si sur 12 morceaux, on pense ça pour un morceau, je pense pas que ce soit problématique. Ouais. Comme dit, chacun a ses influences et tout, etc. Bon, enfin, il y a quand même une plénitude de groupes de métal. Enfin, moi-même, enfin, j'ai quand même un champ d'écoute assez large et ben, c'est parfois d'écouter tel ou tel groupe qui me fait penser à tel ou tel autre groupe. C'est pas pourtant que je n'apprécie pas le morceau, et, bien au contraire. Ouais. Bien au contraire, on reconnaît les influences, on les apprécie, quoi. J'ai vu aussi que l'artwork, il est magnifique. Il est dans la même lignée et dans le même esprit en plus que le premier album. Tout à fait, mais c'est le même artiste en fait. Donc je suppose. Mais en plus, ça rejoint aussi que... Il y a quand même une plénitude de groupes de métal. Enfin, moi-même, enfin, j'ai quand même un champ d'écoute assez large. Et ben, c'est pas faute d'écouter tel ou tel groupe qui me fait penser à tel ou tel autre groupe. C'est pas pourtant que je n'apprécie pas le morceau. Bien le contraire. Bien le contraire. Actuellement, enfin, pour une petite anecdote, pas obligé de la passer, mais c'est vrai que j'ai un ami qui s'est amusé, qui a retourné un petit peu la pochette et qui a dit ouais, bon, en fait on dirait la même mais en inversé et tout, etc. Et ça pose aussi beaucoup de questionnements. Après, comme dit, je pense que aussi la majeure partie de la chose est due du fait que ce soit aussi le même artiste, le même groupe, les mêmes idées, un petit peu la poursuite du concept, donc tout s'inscrit dans la même chose. Pas qu'on ait voulu faire quelque chose de similaire, mais on a voulu faire quelque chose de différent sans rapprochant en fait. Et en essayant de l'améliorer. Si c'est fait ou pas, c'est aux éditeurs de nous le dire après. Ben, il est bien, et en plus de ça, c'est un digipack, donc automatiquement, ben, nous on a eu la version digipack. Mais on l'a sorti exclusivement en digipack. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus chaud, que c'est moins froid qu'un cristal. Quoi. Qu'un boîtier cristal, c'est vrai. Ça donne un peu plus je sais pas, d'importance et d'intérêt à l'objet. Ouais. C'est vrai que. Forbach, Moselle. Est-ce que la scène métal de ce côté-là n'est pas trop pauvre, peut-être, en Moselle? Est-ce que vous avez justement un public assez réceptif quand vous jouez dans votre fief, qui vous suit ou tout ça, que comparer par exemple, ou est-ce que vous avez un plus grand accueil, je veux dire, en Moselle, que si vous allez jouer sur Paris ou des choses comme ça? Ça dépend absolument, on va dire... C'est vraiment du cas par cas. Et c'est vrai qu'en général, quand on joue, comme tu le soulignes, dans notre fief et tout, etc., on est quand même un groupe qui est établi depuis un moment, comme tu le soulignais avant, depuis 2008. C'est vrai qu'on a une fanbase qui est assez ancrée. Donc c'est vrai que quand on joue, entre guillemets, localement, on a vraiment, dans la plupart des cas, un très bon suivi, quoi. Après, quand on s'exporte, comme dit, ça dépend. Ça dépend. Paris, c'est aussi un petit peu spécifique, quoi, mais enfin... Les fois où on y a joué, on va retourner jouer justement, enfin, le 24 on sera à Chatou dans le cadre du CAFest, si tu connais, ouais. Avec Gorgone, etc. Voilà, donc on va y jouer le 24 l'an prochain. Mais c'est vrai que enfin, ça dépend. Mm-hmm. Ouais, ça dépend, mais en général on a toujours un bon accueil, enfin, je veux dire, même si le public peut être on va dire un petit peu moins motivé que d'habitude. Et c'est pas forcément parce que ça bouge pas que ça n'écoute pas. Et je veux dire, globalement, enfin, l'accueil est toujours satisfaisant ou presque. Et est-ce qu'on peut compter vous voir dans le nord chez nous, le nord de la France, fatalement, Roubaix, Lille? Oui, bien entendu. On y est déjà passé aussi à une certaine période, mais c'est vrai qu'on envisage d'y repasser. Après, bon, c'est les dur, groupes, hein. Entre guillemets, notre envergure, ben oui, même tu sais, comme dit, c'est toujours trouver des plans, etc. Que des trucs qui sont parfois un petit peu, parfois simples, parfois un petit peu compliqués. Mais en tout cas, c'est envisageable et je pense que ça se refera, comme dit, dès que l'opportunité se présentera. Justement, on parlait un peu de jouer dans son propre fief. Ne trouves-tu pas éventuellement que c'est un peu trop dangereux de par l'expérience? Donc, je ne jouais pas, hein. Je connaissais des groupes qui jouaient, qui étaient vraiment suivis par leurs fans, qui jouaient souvent dans leur fief, mais à la fin que le public s'essouffle justement parce qu'ils veulent toujours avoir du renouveau. Ou alors, peut-être, est-ce que ça vous pousse plus à vouloir se dire ben, voilà, l'album est là depuis un an, mais tant pis, maintenant il faut composer, il y a du nouveau, quoi. Est-ce que ça, c'est plutôt ça que vous fonctionnez comme ça? Alors, encore une fois, je te rejoins un petit peu sur les deux facettes, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a une fanbase locale qui est bien établie et tout, etc., et qui fait que quand on joue, on dit on a toujours du public, mais on joue pas toutes les deux semaines non plus dans notre coin. Et on a, voilà, pour vocation et pour motivation non plus de pas le faire, entre guillemets. Voilà, c'est un petit peu la loi de l'offre et de la demande, et puis c'est aussi un petit peu, comme tu le soulignais, l'essoufflement en fait du public qui forcément il va venir une fois ou deux fois par mois voir la même chose, au bout d'un moment il vient plus, quoi. Ouais. Bah, tout simplement, quoi. Bah, c'est comme dit, ça peut être autant
ça peut être autant à notre stade que des groupes comme Slayer, je veux dire. Que moi, par exemple, j'ai vu plusieurs fois, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme dit, ils sortent pas d'album et tout, etc. Si on va voir trois shows, les trois shows sont les mêmes, entre guillemets, quoi. Avec de gros guillemets, mais voilà, on s'en lasse. Voilà, c'est ce que je dis ici. C'est un spectacle qu'on connaît, donc ouais, ils sont là et on n'aura plus forcément autant d'intérêt à aller le revoir. Ouais. Justement, tout à l'heure, je reviens un peu sur le concept album. Le dernier album, il parle exactement de quoi exactement dans votre concept. Et aussi, y a-t-il un fil rouge ? Dans un fil rouge, je ne sais pas, parce que c'est vrai que malgré le fait que nos albums soient conceptuels, on laisse en général, on va dire, assez d'ouverture et d'interprétation justement à l'auditeur. On va dire que c'est un petit peu une porte ouverte. Mais si tu veux, fondamentalement, c'est, comme dit, c'est la continuité de l'autre. Donc, dans Prodigal Child, on parlait voilà, de l'histoire en fait, d'une personne voilà, qui se questionne en fait, un petit peu sur les origines, le devenir de l'humanité, qui écrit son journal par rapport à ça, etc. Et qui se rend compte qu'en fin de compte, voilà, l'humanité n'est en fait qu'une expérience qui est par une entité supérieure quelconque, et ce qui fait un petit peu exploser littéralement justement cette humanité. Et en fait, dans cet album qu'on a sorti ensuite, l'idée est un petit peu d'une seconde chance en fait qui est accordée justement à cette humanité. Donc en fait, si tu regardes un petit peu en fait sur l'arrière de l'album, on a déjà différentes couleurs entre guillemets pour les titres. Donc on a le premier qui est un petit peu introductif, et on a six titres après qui sont notés en jaune, qui sont en fait la perception, on va dire un petit peu comme la perception du renouveau en traversant les émotions primitives, si tu veux, de l'humanité. Donc on a un morceau voilà qui va décrire la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, etc. Et donc on a un petit peu une traversée de toutes ces émotions qui est faite au fil de l'album. Le premier morceau est une introduction un petit peu, on va dire, à ce concept. Ouais. Puis on a ce suivi de l'album, puis on a un petit break qui est fait par le morceau instrumental qui est la beat, qui voilà, on pose un peu les jalons. Et la conclusion qui après est posée par les 9e et 10e morceaux. Justement, donc on va dire 4e album, je suppose qu'il va arriver bientôt parce qu'il y a la promotion du dernier album. Mais en voyant un peu la conjoncture et justement tu parles de l'humanité qui est autour de nous, qui part un peu en couille, est-ce que avec tout ce qui se passe pour le moment, vous n'avez pas envie de faire un concept album en regroupant tout ce qui tourne et qui gravite avec justement toutes ces conneries qui sont... Non justement, parce que c'est vrai que... Enfin... Comme je t'expliquais et tout, enfin, nos concepts d'albums sont un petit peu plus tournés vers le côté SF, etc. Justement, on n'a pas vraiment la vocation d'avoir, je sais pas, une quelconque étiquette ou implication qui soit un petit peu politique, morale, etc. Donc, je pense pas qu'on arrivera à faire un album vraiment qui parle, entre guillemets, des problèmes de société ou actuels, comme le font beaucoup de groupes. Mais c'est ni notre style, ni notre vocation, et c'est vraiment pas dans les idées qu'on a au niveau, on va dire, même de l'image du groupe, etc. Là, vous êtes aujourd'hui, tu es en promo ici au Hellfest. As-tu déjà joué au Hellfest, Hellfest Cult ? Non. Non ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça te fait quoi déjà, en tant que, on va dire, jeune musicien, hein, on va pas se voiler la face quand même, hein, d'être ici au Hellfest pour faire la promo d'un album ? Ça te fait quoi ? Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est une expérience assez spéciale. On a déjà eu des journées promo dans d'autres cadres, etc. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui est quelque part connu. Mais être ici, entre guillemets, interviewé, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant, comme dit. C'est quelque chose qui marque quelque part et puis qui rend fier. C'est une fierté quelque part. Ouais. Donc aujourd'hui, on va dire que tu es dans le box. Peut-être que l'année prochaine, tu ne seras pas dans le box, mais tu seras peut-être sur scène. Espérons. Et justement, tu aimerais bien te retrouver. Ben, si tu nous écoutes. Ben, peut-être tonton qui peut faire quelque chose. Hein. Tonton, c'est Roger. Bon, nous, on l'appelle tonton. Justement, pour Defiancy, le rêve, là, je veux dire, peut-être que tu vas peut-être parler pour tout le monde, ou peut-être pour toi. Vous aimeriez bien te retrouver sur le plateau avec quel groupe, par exemple ? Je pense, pour être unanime au nom de tout le monde, je pense que Soilwork, ça nous ferait très plaisir. C'est des gens qu'on, entre guillemets, voilà, qu'on connaît, voilà, on connaît leur cœur, on a quelques relations avec eux, c'est des gens qui sont très sympathiques, qu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et franchement, voilà, en plus d'être des crèmes, ce qu'ils font, ça défonce. Donc, franchement, je pense que pour tout le monde, ça serait vraiment un réel plaisir. Après, comme dit, au-delà de ça, je pense que premièrement, j'aurais dit Machine Head. Mais et bien heureusement, on a eu la possibilité déjà et l'opportunité d'ouvrir pour eux à la laiterie en 2014. En 2014
2015. En 2015. Non, non, c'était en 2000. Ouais, 2015, à mon avis, 2015. 2015. Et justement, Rob, il était comment? Exceptionnel. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Un mec en grand cœur. Non, vraiment sympathique, très ouvert d'esprit. Et slip kangourou. Je n'en dirai pas plus. Mais je veux dire, mais très par contre, nous, très, il est très respectueux de son public et des photographes aussi. Donc c'est-à-dire il voulait pas de pit photo pour ne pas justement que les photographes se prennent des coups. Quoi. Ouais. Ça c'est super sympa. Non, ça fait, Toi t'es bassiste. Ça. Ton bassiste qui a existé ou qui existe toujours, c'est qui? Je sais pas, à la base je suis guitariste, donc j'aurais plus tendance à parler de guitariste que de bassiste. Quoi. Mmh. Et un bassiste qui m'impressionne et que j'apprécie beaucoup, Dominique Forest, La Pointe, mmh. Beyond Creation, etc. Un mec qui a un jeu vraiment exceptionnel et vraiment un feeling qu'on retrouve pas ailleurs et enfin quelque chose de particulier quoi. Et ton guitariste va tellement vu que tu parles de guitare donc. Il y en a une pelletée. Il y en a une pelletée. Mais bon, allez, au pif, Chris Broderick. Ex-Megadeth. Ex-Megadeth, ouais. Enfin, qui m'a vraiment impressionné. C'est peut-être pas mon guitariste favori, enfin privé de cœur et d'âme, mais par la technique, c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné, enfin, et qui m'a vraiment sidéré. Enfin, et justement, tu parles de technique, qu'est-ce que tu penses des Guitar Heroes comme Malmsteen, Vai, Satriani? Bah écoute, parce qu'en plus, c'est pas comparable avec votre musique, c'est pour ça que je me permets de te poser cette question. Non, je trouve ça très bien, il y a quand même un certain nombre de leurs compositions que j'apprécie énormément. Après, bon, il faut pas que la démo devienne de la démo. Pour moi, enfin, la musique a quand même une âme et je pense que voilà, je préfère des morceaux où ils sont là en train de construire quelque chose, même ça peut être, comme dit, technique ou non, mais je préfère les morceaux où il y a un petit peu de construction, un développement, comme dit, une âme à la musique vraiment, plutôt que de la simple démo, voilà, entre guillemets, shredder pour shredder, voilà. l'avenir de Defiancy pour 2017, bon, on va croire qu'on va dire que c'est de la promo. 2017-2018 peut-être? Bah, je pense de la promo, beaucoup de tournées, hein. On a quand même un bon nombre de dates prévues, on va essayer d'en prévoir encore un bon nombre. Et comme dit, après ça, bon, je pense qu'il y aura forcément un quatrième petit qui va sortir. Il y a déjà des idées de compo? Quelques-unes, pas forcément plus concrètes que ça, mais ça se prépare. Et des dates hors France prévues déjà? Hors France pour l'instant, non. On a une bonne pelle de dates qui arrive là, je pense une petite dizaine qui arrive, mais exclusivement en France. Après, c'est pas prévu, mais ça peut toujours se présenter. Le pays où les VNC aimeraient se produire le plus impérativement, ça serait quoi? Je dirais l'Amérique du Sud, parce qu'on a beaucoup de fans qui nous réclament de par là-bas, étrangement. Comme quoi Internet fait bien les choses. Mais après, je dirais, bon, la suite logique, ça serait peut-être un petit peu les pays de l'Est, et comme dit, après, ben, si on a l'occasion, l'opportunité et surtout la possibilité de s'exporter un petit peu, ben, c'est vrai que les Amériques, ça ferait bien possible. Je vais vous laisser, je vais te laisser plutôt le mot de la fin. Que pourrais-tu dire à tous les fans qui vous ont découvert sur RQC, qui ont aimé l'album, de par déjà leur réaction quand on l'a joué, et aussi pour la vidéo qu'on mettra sur YouTube? Ben, tout d'abord, je dirais un grand merci, parce que c'est vrai que, comme dit, c'est un petit peu aussi grâce aux auditeurs, aux fans et tout, etc., qui nous suivent, qu'on peut et qu'on veut continuer à faire ce qu'on fait. Et, comme dit, au grand plaisir que l'album vous plaise, et vous inquiétez pas, pour le suivant, on vous préparera quelque chose de bien également. Ok, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ouais.